Depuis le 25 novembre 2019, les murs de notre école parlent des différences à travers les visages des enfants dans le monde. Dans leur quotidien, à l'école, dans leur vie familiale, sociale. Tout ceci grâce à l'exposition de la Fondation Bécharat, à travers le regard du célèbre photographe Steve McCurry, Visage de l'innocence. Ce projet promeut nos similarités et nos différences à travers ces portraits et ces visages d'enfants, visant à développer chez nos élèves l'empathie, la compassion, pour rendre notre monde meilleur et entretenir l'idée que nous demeurons tous égaux, ni supérieurs, ni inférieurs, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, notre langue ou notre religion. Photographies, grand format, réparties sur l'ensemble de l'école, pour émouvoir, toucher, émerveiller, faire réfléchir chacun de nos élèves, de la toute petite section au CM2, et au fil du temps, travailler sur nos émotions, les voir évoluer, se transformer. Tout ceci au service d'un projet, le projet fort de l'école Saint-Étienne encore cette année, qui serait de cultiver la gentillesse dans chacune de nos relations, pour éduquer au vrai, au bien, au beau, pour réfléchir sur l'avenir de notre humanité.